heures de file d'attente avec un jour de serveur et nous y ai-je. Quoi? Nous y est. Tiens, c'est vrai que j'avais même pas vu l'abondance, rien. Ah oui, bah oui, il y a une mise à jour dans tous les modes de jeu, c'est logique. Ah, de nouvelles voitures, non? Si, de nouveaux designs, on dirait des Porsche. Ouh, il y avait une araignée avant, il n'y avait pas d'araignée. On va aller go Fortnite. Wesh. Oh, c'est stylé comme il présente ça maintenant. Ah, la bande annonce c'était pas mal. Bien sûr qu'on achète le pass de combat. On va décortiquer tout ça. Ah mon dieu. Alors, on commence avec le Cerbère. Wow. Ah, j'aime bien son aura. Oh, je pensais qu'ils auraient quand même changé la façon dont c'est présenté tous les modes de jeu. Oh, ils abusent, vas-y. Belle prise. Ah oui, j'ai vu que dans Lego Fortnite, la mise à jour, c'était, bah, il s'écrit là, de nouveaux objets, boussole et longue de vue. En fait, ils ont amélioré le côté pirate, quoi. Partez à l'aventure et ouais, comment pêcher? Ouais. Alors, Cerbère. Si vous voulez en prendre à Hadès, il faudra d'abord me passer sur le corps. Ok, c'est un disciple d'Hadès, quoi. Ah, c'est ça qu'il y avait dans la main du truc qui arrivait sur la map, non? Les esprits agités n'échappent pas à l'attraction des enfers. Ouais. Ouh, celui-là a l'air incroyable. Ah, quoique non. Le pan, c'est plus badass. Bon. Avec le fond d'écran, ok. Attends, sa moto elle est incroyable par contre. En planeur, ouais, je pense que c'est cool. Ensuite, nous avons Aphrodite. Ouais. Simple et basique, ça fait le taf. Pourquoi pas? La déesse des cœurs, bon. Pas plus exceptionnel que ça. Balançoire béante. Ouais. Ah, là, elle est un peu plus exceptionnelle. Ça va. La déesse des cœurs. Immortelle, pourquoi pas? Ok. Qu'on prend une version Lego. C'est vrai que maintenant il y a des skins qui ne vont pas en version Lego. Je crois que Uncharted il est pas version Lego, hein. J'ai pas compris pourquoi, mais bon. Poséidon, dieu des mers bluvagesque et roi des plages. Lui, ça va être mon skin préféré de la saison. Il est incroyable. Il est trop mime, wesh. Avec son sac à dos. Oh, l'ensemble est magique. Et du coup, 26 minutes perso de temps encore. Ah bon. On va dire que ça va. Putain, 26 minutes encore. Oh, les gars sont trop forts. File d'attente de busy. C'est insane. Ensuite. Ah! Ouais, bon, il change pas, juste la couleur. Ah, pour le moment, je trouve pas la passe de combat exceptionnelle, hein. Attends, laisse-moi voir Médusa. La protectrice granitique de l'humanité. Ok, bon, celle-là, elle est un peu plus sophistiquée. Invocation serpentine. Putain, ça avec Wanda, c'est bien badass, c'est hyper méchant. Je kiffe de fou. En vrai, je trouve pas les skins fous hein, cette saison. Allez, Zeus, bon. Ok, lui, il est badass. Tu vois, lui, ok. Là, je dis d'accord. Mais les autres, bon, je les trouve un peu. Ils sont banals, hein. Ok, pourquoi pas. Zeus le conquérant. Ouais, je préfère sa première version quand même. Laisse-moi voir son fond d'écran. Ok, le. Putain, tu vois, s'il avait cette morphologie là, il serait incroyable. Bien vieux, bien mastoc, tout bête. Là, ça me. Pff.
Ouais. Non, il ressemble pas au fond d'écran, pas du tout. Je sais pas. Je le trouve vraiment banal ce pass de combat là. Ah, j'aime bien la danse par contre. Ça ressemble aux anciennes danses Fortnite. Artemis. Ah, je la confonds avec Médusa. Je pensais que c'est la même personne. La déesse de la chasse ou Claire de Lune. Ben ouais, ben c'est Artemis. Je connais pas trop son histoire dans la mythologie grecque. Moi, le skin est pas mal en immortel. De ce que j'ai vu un peu, vu à part les Marvel et par des collabs, ils ont pas de version Lego. Punaise. C'est chaud ça quand même. Donc là, c'est Hadès. Même Hadès, il dégage rien de. De transcendant, tu sais, c'est quand même Hadès. Il a un flow, mais il a juste un flow, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Quelle transformation qu'il y a eu. Il y a juste son aura qui a pas. Oh, je suis déçu du pass de combat. Sans mentir, il est assez banal, hein. Ouais, lui, on a sa version orange. Ok, ensuite. Zeus l'immortel, ouais. Omni sexy. Oh, le skin est incroyable. Non, ok, Zeus, c'est la seule que j'aime bien. Le reste, bon. En rose, oh, ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Le reste, bien sûr, on n'a pas. Elle, je crois que c'est le skin collab, ouais. Avec Avatar, le maître de l'IA, ou je sais pas quoi. Ok. Moi, bon. Le pass de combat, c'est un pass de combat, on s'en mentir, bon. Dans tous les cas, go découvrir la nouvelle map. Ouais, moi, je reste avec Wanda, en vrai. Hein. Parce que pour le moment. Ah non, on est dans la mythologie grecque, c'est-à-dire qu'on va explorer Jamiraz ou Nathan. Oh, je vais mettre Nathan. La boutique, attends, faut que ça lance pas sur moi. La boutique, qu'est-ce qu'il y a? Le pass festival. En plus, maintenant, la boutique, je comprends rien. Ils ont tout mélangé. Rocket Racing, le pass festival. En plus, maintenant, il y a un truc. Ils ont remis Eminem. C'est quoi ça? Ok, ça je kiffe. Ça, dès que j'ai 500 V-Bucks, je le prends. Oh, je kiffe la danse. Ok, ça je veux bien. Ça, ouais, c'est d'anciens trucs. Peut-être pas celui-là. Comment on voit s'il est nouveau ou pas? Version Fortnite, bon, je sais pas. Mais je crois que ce skin est nouveau. Ensuite, Valkyrie, ouais, ça c'est chapitre 1, tout ça. Ça peut-être chapitre 2, mais ils ont remis les anciens skins. Oh, celui-là est beau. Plasma Shock. Allez. Oh, il a un flou, j'aime bien. Ah, celui-là est stylé par contre. Ouais, ancien skin, chevalier araignée, ça me dit rien. Peut-être que lui, il est nouveau aussi, je sais pas. Rufus, ça je sais qu'il est nouveau. Lui, je pense que je vais acheter le skin. Il est trop marrant. En fait, ça, tu sens que c'est l'ADN de Fortnite. Avant, les skins ressemblaient à ce graphisme-là. Genre, c'est une dinguerie. Non, lui, il est incroyable. Dès que j'ai les V-Bucks, je pense que je vais prendre le petit pack là à 4 €. Je pense que je vais le prendre là à 200% avec la danse. Ça, c'est des anciens trucs. Ça, je crois que c'est nouveau. Pack réparation cométaire. Cométaire, c'est les comètes. Il n'y a pas de comète sur la map, wesh. Ça, c'est ancien. Ça, on passe dans le truc festival. On s'en fout. Rocket Racing, ils ont mis la voiture de Torito, carrément. Oh, maintenant, tu peux même personnaliser jusqu'à... Wesh. Les roues et la traînée. Pourquoi pas. C'est stylé. Ouais, je pense que je vais acheter ce pack-là. Pour avoir au moins déjà 600 V-Bucks, plus le pass. Attends, je m'ai mis en solo. Bon. En vrai, tu vois, la boutique, en attendant, elle m'a plus convaincu que le pass de combat, sans mentir. C'est fou, hein?
Ah là là. Bref, go découvrir la nouvelle map.